entretenir. Est-ce qu'il y a alors, par exemple, désormais l'État pour faire allocation et budget pour qu'il sécurité est capable d'entretenir sa bonne provision. Parce que tout ça, bonne l'année qui monte de l'Assemblée, nous votons budget. Mon pas me rappel, mon pour tenir allocation, par exemple, de budget pour Registrar General, qui te dit ça y a pour son office à cause. Soit qu'il faut bizarre coupe pied dit bois bonne propriété. Donc mon pense ça me voir ça mon pas mon vie connaît si nous pour désormais faire ça. Nous bouger dans la section 16. Section 16 de il cause là une restriction 7 ans. Je vais scroll down mon la loi. Non, moi dans wrong bill. Laisse-moi poser un petit coup là. Où peut proposer actuellement Non, il y a une clarification qui m'ont érodé sur mon préfet, mon présentation comme ça pour qu'ils autres panel pour un autre Mr Speaker. OK. Et il donne nous l'explication à propos ça ban commentaire qui m'ont pas fait. Allez, OK. OK, so nous pérode section 16 D. Et oui, il cause le lisse. Et il dit qu'il n'y a pas qu'à donner sa liste plus qu'il 7 ans. So, mon bureau dit, à cause 7 ans, et si vous donnez la liste de 7 ans, est-ce qu'il y a une bonne condition qui peut attacher? À cause aujourd'hui, si on dit qu'on a gagné la liste, est-ce qu'il, par exemple, il peut avoir fait développement commercial, là, résidentiel, quoi qu'il soit capable ou soit pas capable de faire, et à cause sa période 7 ans? Ça, il y a un commentaire qui m'a fait là. Après, dans section 23, question appointment of executor, et je vais faire référence avec section 23N. Dans ça, la loi nous a pour dire l'appointement exécuteur, ça qui m'a envie qu'on ait, c'est qui, si dans la loi, il prend même l'effet avec les temps, par exemple, ils disent qu'il appointe le curator. Est-ce qu'il y en a même l'effet? Oui. Mon bousé, moi, l'eau, section 24, time limit of executor. Nous entendons pour dire executor pour gagner 10 ans. Pour lui faire ce qu'il a besoin de faire vis-à-vis de la propriété. Ce qui m'a voulu connaître, c'est qui arrive si de 10 ans. Il peut faire tout ça là. Pour exemple, nous voyons un autre clause pas en bas. Appointment of executor, nous pouvons section 24. Juste pour vérifier bien qui dit. The curator may approve an extension of the time under subsection 1. Ça qui m'a montré qu'on est, c'est qui m'a dit ça pour gagner faire. Est-ce qu'il faut besoin d'une application? Est-ce qu'il vous besoin d'une application formelle pour demander sa extension ou soit exécuter ou soit sa curator est capable dans lui-même il décide agrandir sa période et ou soit est capable petit sa curator et mettre un autre 6 centimes pour dire sa exécuter plutôt il peut traîner les pieds un peu. Section 25 particulièrement section 25.4 il cause le revocation. Et nous voyons que revocation n'est pas un ziz, mais seulement revocation of an executor, ça, n'est pas un ziz. Seulement, son appointement n'est pas curator. En bas, 23D. Seulement, vu qu'on est ce qui ça est intentional, si intentional, à cause pour appointer un, pour tirer l'autre. Mr. Speaker, mon bousé, moi, la section 38. Section 38, il fait provision qui. Ça, il register of executors and fiduciaries. Et il fait provision qui registrar general, il garde un registre. Mon période de clarification, l'honorable, il est 20 points, Mr. Speaker.
Madame Nibematoun. Non, moi un petit peu confusé par ça qui vous peut faire moi aussi. À cause ça qui m'imagine, c'est ça bon là. Mon peut prévoir qui quelquefois aide qui pour besoin adresse une quantité ça bon point. Et nous encore dans stage l'assemblée là. So est-ce qui correct moi vous préfère là. On aura pile qui est-ce qui adresse où. Merci Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi je les ça porte un insistition, ce qui là nous peut nous le mérite. On peut faire bon point le sac clause. Je vais listening order du super de sac clause. This is committee stage. Committee stage, pas veut dire que on est l'amendement. You can ask your queries on the clause because you want to know whether the clause ou parler pour support sa clause pareil. Yeah. Nous pouvons clarification. Cause VP pour donner un right of reply, mais pas pour cabader tout ça bon point. So, vous pouvez faire l'exercice dans plénière et puis nous pouvons refaire lui encore dans le committee stage. Et tout dépend de Mr. Speaker. Je crois que qu'il y a un bon point, une clause spécifique. Si nous avons standing order, bien, je ne peux pas refaire à la spécifique clause. Non, moi, je suis un petit peu concerné avec sa méthode. Et je crois que d'accord avec Honorable Pillay pour plus facile adresser une bonne clarification dans ce comité, que ce soit VP ou bien AG. Il va intervenir, mais il va aller et nous pas besoin de prendre tout ensemble. Ok, so. Comprends-moi? Oui, moi je suis passé un petit panel pour prendre notre. Mais si comme ça, ok. Then we can come back to it dans Stars Comité. Mais ça veut dire, si nous pouvons faire un commentaire, Mr. Speaker, en général, le son mérite sa bill. Moi, il y en a particulièrement trois points qui m'ont vraiment concerné avec. Mon président est quantité de sa bill. Et le commencement, on dit, vous dites ça, la loi, li depuis 1892, il a. Nous avons gagné une présidence qui est 76, nous. Après, nous avons besoin de reconnaître nous l'histoire politique et qualité pouvoir qui président tient en. Et à mon avis, dans le passé, il en a un peu l'habit. Un peu l'habit qui est capable, ou soit l'interférence politique, qui est capable d'influence, travail, the curator, en bas à la loi. Et alors, est-ce qu'il y a une pratique qui nous doit être consignée l'eau là? Par exemple, étant nous à sa clause qui dit point curator allow pour donner liste, c'est le président qui a approuvé. À cause. Moi, j'ai envie de porter ce président contre aucun scandale demain. Quand on a dit, il fait mal, il dit, comme si moi, j'ai préféré voir le président un peu moins all over sa bill et donner un peu plus de pouvoir à la cour, à cause de la cour. Moi, j'ai senti qu'il y a un recours dans la cour d'appel, devant la cour constitutionnelle. Essaye de porter ce président un peu contre aucune accusation pour l'abus de pouvoir ou soit l'interférence politique. Et Mr. Speaker, nous besoin avouer, nous voir ben l'exemple qui m'ont dit dans le passé et m'ont resté tracassé pour l'avenir si ça est capable d'arriver. Ça, IN, après, un autre commentaire qui m'ont fait, c'est que dans son mode act, il y fait provision que si y a une propriété qui n'a pas donné, moi alors mon noir, mon fait ben des masses pour dire déclarer que sa propriété il a abandonné du monde qui ça pour lui nous pas voir il t'a gagné kit en bas curator pour 5 ans avant qu'il bande procédure ça va commencer soit pour vendre ben quelque chose comme ça mais mon c'est lui si là mon point de voir pas aussi clair pour moi donc sa section il section 24D de son mother act 24-2. Et si dans the new bill qui nous peut passer, je vais avoir un point qui va y être, autrement mon power et mon temps à casser pour ça. Cause, mon quoi, nous avons besoin de choses qui safeguardent, qui existent pour propriété de mon animal, il gagne pas. À cause, dans the new bill qui nous peut voter là, de section 8-2, il dit a vesting order shall remain in force until an order is made divesting the curator. So, basically, Mr. Speaker, ça y un point général qui m'ont il fait. Autrement, mon pas capable manque l'occasion pour moi
cause lo dans les passés nous avons une bonne situation côté bon exécuteur gagne acquisé pour vendre bonne propriété mal à propos particulièrement dans bon cas côté bon aise pas tombe d'accord et ça a créé une quantité d'accusation une quantité de complainte ce qui m'aide the way forward nous adresser sa situation et aussi mon pas qu'à manque l'occasion pour cause lo support nécessaire pour ben l'office qui gagne setup pour faire sa travail à cause les temps nous pour pas bidzer la fin de l'année nous pour envie d'autres ressources pour qu'ils autres fait un travail qui desservit public bien qui nous comme ben membre l'assemblée nous pas continuellement gagne ben complainte pour dire ça papa marche ça papa marche ça y tarde et aujourd'hui par exemple nous pour dire même bas ça la loi bureau registrar général il consigne gagne certain responsabilité particulièrement par clause 29N et 38N et alors est-ce qui tout bonne ressource nécessaire moi j'avais content vice président de nous l'engagement là pour dire gouvernement pour assurer dans de ça n'a pas seulement pour donner un petit gain still pour faire plus avec donc ça bon point que moi j'avais envie faire monsieur speaker alors l'éternel de stars comité m'a retourne le saban clause particulier sans capanel il manque ça qui m'ont dit merci beaucoup. Merci, honorable. Honorable Bistoke. Merci, M. Speaker. Bonjour, M. Speaker. Bonjour, vice-président, avec vous, l'équipe. Bonjour, tout honorable. Bonjour, tout le monde qui peut écouter. M. Speaker, mon d'accord avec ça, Sabio, à cause de mon senti qui. Et quand c'était ces lois pour bénéficier en bas là, si tout bandit monde qui ne fait sa bonne transaction la terre, si tout pour qu'une fois au terre quand c'était les temps avant les autres insolutions et il y en a même une gagne les temps mort avant les qui insolutions ne gagne pas et aussi mon pour supporter à cause d'un bon pays du monde aussi qui ne gagne à l'étranger, si tout bande qui ne gagne à exilé qui n'a l'exilé côte de la terre ils gagnent vendre vous savez ils gagnent prend sans aucun procédure légal mais c'est mon petit mon petit côté demander un petit peu l'éclaircissement de quelque chose en même temps est-ce que ça bien mon pas noir bas ça bien côté qui fait provision pour bande miner par exemple si ambassade administrative vacant estate administration of vacant estate si par exemple sa miner il reste avec son parent loin la terre qui a dit un in absent ou soit il reste dehors son parent est mort il n'a pas aucun des autres fournisseurs ni tante ni tonton qui est arrivé avec lui mon parent là en bas là après deuxième une autre situation un peu pareil vous pas connaissez si vous capable faire entrer en bas là ou soit si déjà il a mon pas trouver c'est mon pas noir côté un parent il reste un bout en la terre qui ça dit mon à exilé ou soit il absenté d'un pays et ça c'est une parole longtemps tu restes bonne la terre grand blanc bonne nénène ou soit bonne travailler côte la cour et mon connait encore existé jusqu'à présent ND côte dont une gagne un petit endroit pour faire petit paillot une faire petit la case soit ça dit mon il aller et il pas rester c'est il pas connait une perte son de vie il reste là ça des parents il trouvé mort et son enfant il y en a soit un ou trois des enfants qui ne vivait que sa parent, mais il pas resté là pour sa dernière et puis certains derniers temps qui arrivait si son enfant sa parent qui mort c'est ses lois qui restait sur la terre est-ce qu'ils ont aussi sont capables à côté sa administrator of vacant land curator pour capable vu qu'il n'a pas une absence pour capable claim sa la terre côté autres parents qui restait merci. Merci, honorable. Bon, on n'a pas l'autre intervenant. Oui, honorable Pilet. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on n'a pas l'intention de prendre beaucoup le temps de ça poser des lois. Mais c'est le moment, je crois, nécessaire pour vice-président avec attorney général. Il explique nous un petit peu si ton relation mérite sa bill. Raison d'être pour sans ça concept
qui aujourd'hui est registrar général, qui est curator of vacant estates, et qui encore peut faire sa travail à cause sa rôle est resté avec lui. Et là, nous pouvons verser avec Master of the Supreme Court. Mon voulait comprendre à cause là dans nous peut cause l'appointement exécutif et ça y en a un rôle quasi judiciaire. Mais c'est ma faut de nous clair à cause dans ça la loi fait provision pour que ça l'office quotidien fonctionne, mais ça l'office couramment il y a l'office qui trouvé en bas registrar général. Il paye l'office qui trouvé en bas Master of the Supreme Court. So moi ça quoi tant qu'on est qui maillait ça interface pour qu'on fait entre les deux l'office. Et nous, pour nous comprendre sa raison d'être. Après, moi, je suis content aussi comprendre la raison d'être à cause de nous élèves l'appointement de curator for vacant estate. L'OSA niveau qui aujourd'hui c'est CIA, Constitutional Appointments Authority, qui puis appointe de curator of vacant estate. Moi, je sens pour dire qu'il est nécessaire pour nous capables de comprendre à cause. Là, nous mettons l'île à sa niveau, il faut nous accepter pour dire la façon qui s'y est, lui-même, il est composé. Il y a une composition quasi politique à cause de bandits qui ont nommé le CIE. Il involve ben, différents acteurs politiques d'un pays. Et ça, il suppose un office qui est en dehors. So, ça, il y en a bonne considération. Il y en a une considération qui est raise vis-à-vis. Rôle président, mon président, dans son capacité comme un chef d'État, côté entré dans la loi. So, the bill is not without its merits. Il y en a une importance pour mettre un ordre et pour faciliter sur sa domaine qui aujourd'hui est un domaine assez complexe, assez difficile pour la majorité du monde. Bon, quand il y a quelque chose qui besoin rester primordial, c'est qui. Chaque dit monde qui peut réclamer droit, il y a aussi besoin de comprendre qui ça l'autre dit monde qui libre réclame sa droit avec aussi un droit. Que si par exemple moi décider demain par nous peux causer tout à l'heure nous dit il y en a un domaine public là une propriété et moi besoin faire moi pour faire un trail au propriétaire l'autre dit monde ou bien moi pour faire un semer par l'olance etc. Ou pas pour capable faire ça semer par l'olance tout le temps ça dit monde qui lie une propriété il besoin capable aussi exerce son droit vis-à-vis de son propriété. Donc, so, pendant tout temps, un réciproque en termes de droit. Mais qui ça la loi fait, mon quoi, il fait clarité. Pour bande de monde qui ne passe à travers sa situation, quand, par exemple, ou une difficulté pour séparer une propriété qui est dans le ownership, quand on a plusieurs frères, 7, tantine, tonton, qui a une propriété, et un il a fait quelque chose, l'autre il est vendu, l'autre qui peut vendre. Et ça la loi introduit vendre sa bonne chaise, atteint fait market value etc. So il manque quelque chose qui me croit nécessaire pour nous mettre clarité pour qu'il nous capable appliquer nos codes civils d'une façon plus claire. Mais ceci dit, il y en a certaines questions qui nous besoin peut-être se répondre. Et moi je vais apprécier qui dans son right of reply vice-président qui peut représenter ministre des affaires légales est capable expliquer nous à cause il y en a sa nécessité pour faire lui dans sa façon. Et à cause du gouvernement qui introduit sa bonne amendement dans sa contexte, dans sa framework qu'il a. Moi, ça va apprécier pour un registre général, là, pour nous capables aussi, quand ils sont aperçus, là, qui m'a dit, ça travaille, il déroule pendant sa bonne l'état, à cause de lui qui rétablit avec un test, combien avec un test, il y en a en bas registre pour le moment. Mais peut-être, on va connaître un attorney général qui de facto head. Et qui en charge secteur légal, il est capable de dire nous quantité de bonne propriété de son expérience comme un avocat quoi qu'il voit. Et ça peut être une affaire M. Plita as well. So voilà un petit peu Mr. Speaker mon interprétation et mon opinion sur sa proposition de loi. Et moi tu vas apprécier dans qui sa bonne commentaire qui m'ont fait sa bonne concerne ou bien queries qui m'ont mis devant. Il y a qu'à répondre par vice président. Merci Mr. Speaker. Merci. Honorable George. Merci Mr. Speaker. Mr. Speaker, ça débat est très très intéressant et en effet, ça curatel act, il casse un petit peu par son nom, son vrai l'impact et son vrai l'importance dans nos pays.
nous servis sa curatel acte à cause il existait déjà et sa l'office curateur bien vacant curator of vacant estates à cause il existait déjà pour nous ajoute et transforme les complètement pour lui venir un office qui en a un l'attribution mon capable dit presque 100% différent avec son N aux autres. Nous sommes capables, par exemple, garde curator of vacant estates pour faire ce qu'il fait tout le temps, en bas, registrar general, malgré que la loi pas automatiquement dit que registrar general qui pouvait être curator of vacant estates, c'est ce qui ça l'attribution il donne lui tout le temps, alors il restait, mais il est capable un autre fonctionnaire qui tient dans sa rôle. Mais nous sommes capables d'appeler un autre quelque chose, public trustee par exemple. Dans tout bon pays, Commonwealth, qui en a la loi anglaise, Common Law, ça l'office, c'est un office qui est appelé comme official trustee ou bien public trustee. Avec sa bonne attribution qui nous peut donner lui. Mais ici, étant donné qu'il y en a déjà sa bureau curateur de biens vacants, qui n'est pas un full-time job, c'est pour sa raison qu'il y a avec un officier qui en a beaucoup les autres quelque chose pour faire. Mais là, par exemple, il peut venir un full-time job, more than a full-time job, in fact. Nous décidons que quelquefois, il y va bon pour raison historique. Garde ça l'esprit curateur et extend son fonction. Donc là, c'est ça un petit peu l'optique qui nous peut faire aujourd'hui. En effet, moi, mon capable de dire, moi, c'est le comité qui t'y réforme, qui t'y propose bonne réforme dans le code civil, ça pas vraiment l'intention. Là, nous tu peux regarder le bon amendement qu'il peut faire avec le code civil. Il pas tient front and center, un problème front and center pour nous trouver un office qui t'y pour prendre et puis bonne fonction, bonne zise, la Cour suprême aujourd'hui, l'appointement fiduciaire et l'appointement exécutaire. Et ça, in fine, dans la discussion, là, nous réalisons qu'en effet, il y avait un bon amendement pour amener. Et c'est pour sa raison que ça l'office. Ou bien ça, la loi, il est un petit peu en dehors du code civil. Il est incapable d'entrer dans le code civil, mais il est un peu en dehors à cause il fait certaines quelque chose qui peut faire le code civil assez, mais il aussi fait certaines quelque chose qui n'a pas rien pour faire avec le code civil. En effet, Mr. Speaker, aujourd'hui, the curator of vacant estates, son rôle, c'est pour prendre sa case, soit bonne succession, quand n'a pas un héritier clair, ou bien bonne propriété qui n'a pas un maître, ou bien qui en a un maître, mais nous ne connaissons pas lequel lit, ou bien côté y était. Et donc, nous avons besoin en un et du monde qui peut prendre une responsabilité pour sa bien. Par exemple, il y en a un bout de la terre bon, ses mains. Et ça bout de la terre, il a un nom M.C. anglais. Mon papa invente ça. Il existait déjà, ça problème. Qui n'a acheté ça la terre en 1969. Zamène Vincessel, il a acheté ça à cause de ça. Il tient en vie quelquefois. Un jour, Vincessel et puis Panvini. Et puis, ça l'adresse qui s'est dit il donnait, il s'en. Et lui-même, il s'est dit qu'il disparaît. Et personne ne connaît. Au Lili. Mais seulement, il ça la terre enregistré son nom. Et nous pas capable de tracer aucun part, mais il y en a un pied de bois à la terre qui peut menacer ses mains publiques et qui est capable de tomber et faire un dommage ou bien tape un business PTC qui peut passer et affecter la vie ou bien la santé bonne passager dans sa bis. Lesquels qui peut prendre sa décision pour le couper sa pied de bois? À cause de sa propriété et une propriété privée. Donc, c'est ou bien un voisin, il a envie d'accès
sont la terre enclavée, ils ont vu passer à travers sa propriété, ils ont vu une permission pour lui passer à travers sa propriété, il n'y a pas qu'à s'entrer, il n'y a pas qu'à avoir le coup de planning pour demander de faire un semen, après le planning pour dire lui, il amène une permission, un livre from sa propriétaire. Comment il y avait pour faire? Alors, il est important que tout sa bonne quelque chose, il gagne pour un, et il gagne mettre en bas un officier qui prend sa bonne décision pour couper sa pied du bois, ou bien pour donner nous permission passe l'eau là, ou bien pour faire quelque chose avec, pour vendre, quelquefois, et garde l'argent dans un compte de la banque, tout ça là avec, avec permission de la cour, naturellement. Mais au besoin, on a un petit monde pour prendre sa bonne bien vacant, ou bien sa bonne succession qui vacant en SAS et administre les autres. Et donc, c'était ça, rôle curateur du bien vacant. Moi, dans un autre exemple, qui est l'exemple courant, un madame, il a le travail en Italie, comme un travailleur domestique, 50 ans passés. Il dit, madame, tout seul, ils emmènent marier, ils emmènent faire des enfants. Et il restait l'Italie. Et son fondation, son la vie, à part le travail qu'il y fait, c'était l'église. Il s'y fréquentait l'église et il y en a tous son bon ami, son cercle ami, il là dans sa l'église. Et sa madame est arrivée mort. Il n'a pas aucun enfant, il n'a pas aucun parent, il n'a pas aucun frère, aucun sœur, il n'a pas n'aigne. Et il peut faire un testament, malheureusement, et il dit avec son bon ami dans sa l'église, l'aime ou mort, ça petit bien qu'il m'a un an pour venir pour autres. Et en effet, il y en a un peu l'argent à la banque. Ici, c'est celle. Quand il t'envoie son salaire tous les mois. Et il y en a un petit l'argent. Et j'ai envie, l'église a envie, prends ça l'argent à cause sa madame, tu nous fais les autres. Qui m'a y a pour faire? Il y a un bien vacant. Alors, au besoin, fais sa curataire, gagne un vesting order, veste sa l'argent avec lui, et lui, présent, il va décider s'il croit qu'il est vrai. Si on a sa promesse, il va donner sa l'argent, et s'il croit qu'il n'a pas sa promesse, il va faire une autre chose avec sa l'argent. Donc, c'est un dimonde pour prendre bon bien vacant en sage. Et ça, il marche très bien, malgré qu'il curateur de bien vacant, tant qu'il est registrar general, si tous dit avec volume de travail qui s'abîme en an, naturellement, il passe à la tâche principale. Il y en a les autres quelque chose de plus important pour faire et son travail curateur, il tombe un peu plus bas. C'est dans l'optique, révalorise sa l'office qui, sa bon amendement, peut gagner en mener. Donc, au lieu qui sa curateur, il fait 10. Ça qui m'ont fait décrire là, la présence pendant l'attribution encore plus importante et il pouvait un dimoun différent qui prend ça à l'office et qui peut prendre ça à quelque chose qui ça la loi peut donner. Et là, un seul coup nous voir qui il pouvait plus un dimoun qui fait sa travail bien vacant, part-time, à cause de ça, il n'a pas assez de travail pour un dimoun faire le full-time. Et au contraire, il peut faire les autres travaux premiers et son travail curateur de bien vacant pour venir un peu par derrière, à cause pendant les autres quelque chose qui peut meubler son la zone hein, tous les jours. Et ça, dès quelque chose qui peut gagner une permission, par exemple, il peut gagner un droit en basse à la loi pour le faire, c'est premièrement un point exécuteur et s'il veille succession. Et deuxièmement, à point de fiduciaire et civil co-ownership. Et si vous avez, permettez-moi deux minutes, la loi civil code, aujourd'hui, il dit que si un dimoun est mort et il laisse bien derrière propriété, la terre, sans la terre, pour pas parler directement pour son bon héritier, il vous passe à travers un exécuteur. Et aujourd'hui, c'est la Cour suprême. Pareil, vice-président, il fait nous comprendre à l'air, master la Cour suprême, ou bien Ziz, qui appointe sa exécutaire. Et puis c'est tout. Son rôle infini, c'est exécutaire présent qui prend son temps
pour lui exécuter sa succession, faire l'inventaire, prendre bon bien et partager bon bien parmi bons héritiers. On a des fois ça y a vite, on a des fois ça y traîne et il prend plusieurs années. Donc ça c'est la loi civil code manière y était. La loi civil code aussi dit que si un du monde laisse un testament, quand il n'a point un exécuté dans son testament, still ou besoin d'aller devant la Cour suprême pour la Cour suprême confirme ça l'appointement exécuté dans sa testament. Et troisièmement, le Code civil dit que si un du monde prend quitte la propriété de la terre derrière, et il n'a pas besoin d'appointer un exécuteur, mais still, il a envie d'appointer un exécuteur, ou bien il a besoin d'appointer un exécuteur pour une autre raison, et une autre raison, par exemple, c'est qu'il y en a un l'argent dans un compte en dehors de celle, et la banque là-bas, il dit mon besoin d'un exécuteur pour moi, capable de release ça l'argent, alors pour still besoin de venir en cours pour demander un exécuteur. Alors, pour besoin de faire l'appointement exécuté. Tout ça, là, il besoin de faire en cours dans le niveau succession. Le Code civil il aussi dit qu'il y en a un co-ownership, c'est-à-dire deux ou plus de monde, les propriétaires, même la terre, ils ont choisi à travers un exécuteur, ils ont choisi à travers un fiduciaire, un fiduciaire. Et la loi il dit que sa fiduciaire est appointé par consentement, par un agreement, ou bien s'il n'a pas consentement, il a besoin d'aller en cours pour la cour appointe sa fiduciaire. Mais là, il y en a une autre complexité. C'est que le civil code est assez rigide de la façon qui, ou bien bon, les autres, la loi aussi, assez rigide de qui est capable d'arriver avec un co-ownership. Par exemple, si ça départit, si disons la terre entre des dimons et ça dédimons, il est d'accord pour diviser la terre, je divise les manières dont envie, je prends la pointe, je divise la terre, chacun n'y prend un bout. Mais si je ne pas arrivé, tombe d'accord, ou bien je tombe d'accord le fait qu'ils sont capables de partager, mais je ne pas quand tombe d'accord les qui prennent plot N, les qui prennent plot B, le problème est arrivé. Ou bien je retourne en cours. Ou bien, monsieur et madame, ils ont une copropriété. Après, les autres mariages sont cassés, ou bien les autres relations sont cassées. Un est allé, l'autre a envie de rester dans la terre, sans un premier, pas où les vendre, ils ne sont pas. Pas qu'à force. Et dans tous ces bons cas, on a besoin d'aller en cours et vendre ça bien et partager l'argent, qui n'est pas tout le temps approprié. À cause d'un dimon, il vit dans la case, il a envie qu'à force, ça l'autre dimon, vend lui son part. Donc, ça, c'est une bonne restriction qui en a le co-ownership aujourd'hui. Les codes civils n'arrivaient pour gagner amendé. Un peu, ça bonne quelque chose. Il est clair qu'il faudrait censé pour amener un peu plus la souplesse dans la façon que quelque chose va faire. Et ça qui peut gagner proposer, c'est retirer la cour dans l'appointement exécutaire et retirer la cour dans l'appointement fiduciaire. Appointer un dimoun, et c'est là qu'aussi y entrer là-dedans, appointer un dimoun qui pouvine pareil et qui pouvine au même niveau qui est Master of the Supreme Court. Et un Master of the Supreme Court est gagné appointé par le président de la République suivant bonne recommandation qui s'y est fait. Et donc, ça, la loi peut faire même affaire. Puis dit, sa curator, lui aussi, pour gagner appointé de la même façon. Président, la recommandation s'y est. À cause, il prend un même niveau qui est Master of the Supreme Court. Et donc, le moment qui s'est arrivé, c'est sa curator présent qui peut faire appointement exécutaire, qui peut faire appointement fiduciaire, dans bon cas qui m'ont fait décrit, au lieu qu'il a besoin d'aller devant un juge. Alors, ça, il peut faire quelque chose de plus simple, ou pas besoin d'aller en cours, qu'il y en a un constat, qu'est-ce qui gagne faillé. Bon, du monde qui a envie d'appointer exécutaire, ou bien qui a envie d'appointer fiduciaire, il y a va directement contre sa curator.
et curateur va appointer sa dimon. Mais non seulement ça, il ne peut pas arrêter là. Aujourd'hui, une fois qu'il y a appointement, il a fait tout quelque chose qu'il a livré, par exemple, dans la main exécutaire ou bien dans la main fiduciaire. Pour exemple, curateur prenant un droit de regard l'eau sur l'appointement. Il est capable de suivre, une fois qu'il a besoin de suivre, et faire ainsi que toute succession il finit dans une période de 2 ans, ou bien à l'extension des temps qu'il y a va donner, s'il croit qu'il méritait, pour faire ainsi que sa bonne affaire pas traîner et qu'il bonne succession, il fait même vitement et qu'il bonne héritier entrer dans autre part. Mais, le niveau co-owner, quand il y a une copropriété, fiduciaire, par exemple, on a les autres pouvoirs qui aujourd'hui disent n'a pas. Et ça, c'est, il est capable lui-même d'expliquer comment il peut diviser la terre parmi bonnes co-owners, quand il y en a un dispute. Mais plus important, il est capable de forcer un co-owner à acheter par un autre co-owner. Donc, on ne peut pas prendre non. Ça bonne naturellement avec une évaluation, etc., qui n'est pas capable d'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a des gens qui ont un bout de la terre, un pas ou les vendre sont pas ça l'autre, personne n'est pas capable de forcer. Il a besoin de vendre la terre avec un troisième dimoun et puis partage l'argent. Là, par exemple, sa curateur n'est pas capable d'entrer là-dedans et faire la justice et dire avec un qu'il méritait acheter par l'autre. Par exemple, madame, il restait dans la case avec bons enfants, et monsieur, il refusait de vendre madame son bout de la terre, son en moitié de la terre, à cause de lui, il a côté un autre dimoun, et ça, l'autre dimoun n'a pas envie qu'il vende son pas avec son madame mariée, pas qu'il a fait rien, curateur, par exemple, pas capable d'entrer là-dedans et faire la justice. Naturellement, avec tout bon sauvegarde qui insiste y en a. Donc voilà, Mr. Speaker, un peu bonne nouvelle attribution qui sa curator avec un testé de ce point, non, en bas sa curatel l'acte. Et ça, je crois, nous tous d'accord, il y avait un bon quelque chose. Et il y avait un bon quelque chose pour une autre raison. À cause, ça, par exemple, ouvre un nouveau pathway pour bandi moun qui a envie une carrière dans le judiciaire. Comme là, si on a envie d'entrer dans le judiciaire, ou besoin soit venir un magistrat et puis monte bon grade, soit venir un master ou monte bon grade, et là, il y a un nouveau gateway. Ou quand il y a un curateur, et puis from there, ou il y a un master, ou bien il y a un ziz, et il va monter. Donc, il donne une nouvelle opportunité pour bon Zimoun qui a envie de faire une carrière dans le judiciaire. Trois questions ont été demandées et avec vos permissions, M. Speaker, moi va dire avec ça. Premièrement, révocation. À cause qu'il faut des lois en cours pour révoquer un appointement, les sécurataires qui lui-même lit, il a fait ça l'appointement. Je crois raison est simple, c'est que quand il y en a un conflit, c'est la cour qui a besoin de résoudre ce conflit, alors pas capable de faire du monde résoudre son propre conflit lui-même. L'honorable Henri dit qu'il voit le président un petit peu trop dans sa bille. En effet, mon checké, il n'y a pas de bonne attribution nécessaire, président, appointement, oath of office, etc., révocation, si qui envoie une message de côté. Il y en a juste un nouveau, l'attribution, et ça, c'est pour lui donner l'ordre, ou bien pour lui, non pas dans l'ordre, pour lui valider un liste qui curateur, il en vient là-dedans. Et oui, à cause du président, n'a pas question à gagner demander, mais why not? À cause un dimon a besoin, on a un droit de surveillance, l'eau, quelque chose qui curateur y fait, il y a qui y va à l'encours, mais raison, mon croire, qui nous pas envie qu'il y ait l'encours, c'est exactement à cause de petits certains pouvoirs avec la cour et restricter l'intervention à la cour à un minimum. Il y en a toujours l'intervention, quand la terre a besoin de vendre, etc., la cour a besoin d'autoriser,
mais je crois faire les vins plus souples. Mon père n'a pas aucun Mazik qui est président, mais étant donné qu'il est président, qu'il est ministre en SAS, tout ça qu'il y en a pour faire avec la loi dans le pays, mon imaginaire qui c'est pour sa raison qu'il lit, qu'il pour besoin donne sa permission. Mais encore une fois, n'a pas grand raison à cause qu'il faudrait lire. Je crois qu'il nous capable vivre avec un autre possibilité s'il y en a un qui plus bon, qui est capable de gagner 6-0. Voilà, Mr. Speaker, je crois qu'il va bien pour membres et pour les gens qui peuvent écouter nous. Gagner ça la paix si globale, la raison à cause qui s'assensement peut gagner en maintenant. Et c'est un changement radical. Parmi les bons changements qui peuvent venir avec le Code civil, ça c'est un qui en a un emploi énorme. En 1975, un bon grand changement qui professeur Claude Austin fait avec le Code civil, c'était exactement ça, exécuter avec sa fiduciaire. Mais nous voyons que le concept fiduciaire n'est pas vraiment assez, à cause du professeur Cloros, dans son esprit, chaque fois qu'il y avait un co-ownership dans le pays, chaque fois qu'il y avait la terre, il y avait un pour deux ou trois personnes, ça la terre, tu n'as pas gagné 20, et ça deux ou trois personnes, tu n'as pas partagé l'argent. Pas de masse du tout, à cause, c'est ses lois attachées avec son la terre, c'est ses lois pas attachées avec l'argent, autant qu'il est attaché avec la terre. Alors c'est pour ça, c'est pour sans un paix, sa direction qui prend assez, qui aujourd'hui, fiduciaire, gagne sa bonne pouvoir en plus qui aujourd'hui, qui ratait, il y avait un an sa pouvoir pour lui faire prendre bonne décision qui fiduciaire aujourd'hui, il gagne un contraint en bas de la loi pour lui prendre. Voilà, Mr. Speaker, avec ça, des trois mots, mon cher content, invite bon membre pour supporte sa proposition de la loi. Merci. Merci. Avec ça, moi, je vais inviter le vice-président pour donner son réponse. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, je suis content de remercier tout le monde qui est intervenu. Le mérite sa bill, Curatel Bill 2021. Beaucoup de questions ont été soulevées pendant sa débat, mais aussi beaucoup de la réponse est venue à travers. Bon éclaircissement. C'est tout par honorable Georges qui nous remercie pour sa bon éclaircissement qu'on donne. Vu qu'il tient membre sa comité aussi, qui t'y peut recommander sa bill. Je crois, comme un résumé, sa curatel bill, il a drafté comme tel, à cause il tient recommandation, bon expert, bon avocat, qui t'y le comité, qui t'y voit l'in nécessaire pour. En an, sa législation, justement pour adresser mon conseil qui tient avec le civil code. Et beaucoup de mon conseil tient en pour faire, par nous dit à l'air, avec la terre. L'air arrive à la mort, bon bien qui nous pas connaît, lesquels sont propriétaires. Et sa quantité de temps qui souvent fois existait à cause de mon système qui était. Côte ou bizarre en cours, la cour y a pointe exécutaire ou bien fiduciaire. Après sa supervision qui vient avec ça, par l'air, tu perds. Ça y amène beaucoup d'état, ça amène frustration, et c'était un bon objectif. C'est pour masse tout ça là, pour faire les vins plus clair, pendant un bureau qui en bas la loi, il gagne une spécialisation, il gagne une responsabilité spécifique pour lui, justement, en a toute sa qualification, toute sa compétence et sa l'autorité en bas de la loi. Et qui présent, il est capable de faire son travail mas beaucoup plus vite. Je crois qu'il y a autre quelque chose qui donne, il y a une valeur avec ça. C'est par exemple si l'inziz y a pointé un exécuteur. Il a pointé exécuteur, il a fait son ouvrage. Mais lesquels qui suivent lui? Lesquels qui supervisent lui? Mais justement, en bas sa bill,
ça y a une responsabilité, ça curateur, à cause de ça, une responsabilité extra. Et alors, Monsieur Speaker, mon voix à sa bill, comment un bill qui généralement, il y en a son mérite, et mon content voir, par bon commentaire qui m'entendait, pour dire bonnement, il supporte ça, et qui, il peut amener ça qui nous tout nous tuer au dé, il peut amener plus l'efficacité dans la façon, bon problème qui existait aujourd'hui, il gagne deal avec. Il pour tirer un peu sa loue contre le résistance général aujourd'hui, mettre ça clairement à sa curateur et faire ainsi que nous capables de mieux délivrer avec besoin public, surtout dans sa bonne cas, contre nous voir. Et avec ça, je suis content de soumettre sa bill pour un vote le mérite. Merci, M. le Speaker. Merci. Nous avons un vote le mérite sa bill, même qui en faveur. Lève la main, s'il vous plaît. Bon, aucun membre qui compte. Vote le General Merit of the Curatorial Bill 2021. Gagne 26 votes pour, 0 contre et 4 abstentions. Alors, ça bill in passé le General Merit et moi invite Madame Clark pour faire second reading. Merci, Monsieur le Speaker. A bill for an act to amend and update the law relating to curatorial. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, Madame Clark. Mon propos lance sa session un petit gain pour nous gagner un petit peu l'avance. L'après-midi, alors nous allons passer dans le comité et nous commençons avec un peu de clarification et ça pas trop assez bon comité qui besoin de joindre pendant lunch break nous allons arrêter à temps. Peut-être ça qui m'ont été capable de faire là c'est invite honorable Henri pour repasser sur bon point. Et mon quoi, ce que vous avez besoin de faire, honorable Henri, c'est indique section et point qui ont envie de clarification. Là, mon quoi, pas ne l'a rappelé, la préparé, qui vous peut rouler. OK. Merci, Mr. Chair. Encore une fois, bon après-midi tout le monde. D'abord, mon premier commentaire, c'est la bonne définition, à cause de mon résiste, un peu de clarité. Là, dans la première définition, absentee, so, mon les connaît qui bon test. Qui pourrait servir pour établir l'absence d'un monde et lequel qui déterminait et quoi qui besoin de provide pour dire oui, je vais absent. Merci. Mais à cause de pas sur les autres points. Ah, OK, définition. Dans définition, oui. OK, définition. L'autre définition, c'était. L'autre définition, c'était un claim. Unclaimed property et mon petit peu dit à cause nous pas fait differentiate between property of an absentee ou soit unclaimed property après l'autre c'est dans register of executors mon petit peu dit si nous senti il mérite une définition là pour registrar general this pour éviter aucun risque confusion. Ça y est, ça trois points d'abord, là, de définition. Merci. Panel, monsieur Ozé, j'y ai adressé, oui. Merci, monsieur Chairman. Merci, honorable Henri, pour clarification. Bon, premièrement, absentee important, là, à cause, vous connaissez Curatorial Act, il y a la loi très pratique, là. Et il y en a une situation, quand on dit, mon ICCL, à cause, il y en a, par exemple, un zisement contre lui. Pour lui payer certaines dettes. Et il y en a son propriété qui ne quitte derrière, soit la hazan, soit propriété immobilière. Et ça dit moun li qui a un zisement pour lui exécuter contre ça dit moun, il n'est pas capable d'exécuter ça dit moun à cause il n'est pas capable de servir sa procès l'eau ça dit moun qui est un requirement de la cour. So because he's an absentee, il fait l'application avec registrar aujourd'hui. Il dit que registrar
Molé qui ou apply avec la cour pour verser sa propriété dans ou pour moi capable exécute mon jugement compte ou présent comme curator because you will hold the property. Et très souvent les SAI gagne faire peut-être registrar il capable registrar général il capable faire lui il capable il pas intéressé pour faire lui ou bien pour certaines raisons il n'existe pas faire. Là Lisa Dimoni parle en couille pour faire l'application et dire que la cour Molé qui ouvre sa propriété dans le registre de curator vacant estate. À cause ça, dit mon absent, mon insistement contre lui. So, this is why absentee là. So, il ben dit mon parfois qu'il est simplement absent, Cécile. Il pouvait dire qu'il peut-être autre. Et mon cas montré, par exemple, call immigration. Et ouais, vous dites ça, dit mon, il a allé, mon papa a gagné son adresse. À cause, qu'on est pour faire un caisse contre un dit mon. Ou besoin de servir lui sur mon. Si ça dit mon passé seul, ou besoin de road lead dans each and every corner of the world, et si on n'a pas son adresse, ou qu'est-ce qui tombe? Ou pas pour capable même comment sous qu'est-ce. So, curatorial act, in tout le temps là, commence à rempart à cause il y en a, il step into the shoes of the absentee owner. So, il est important ça, absentee, Lola. Un claim est essentiellement une propriété, par exemple, tout le monde qui mort, bien pareil, honorable leader of government business, il dit, il y a le pour son héritier, mais il y en a un monde qui mort après un certain quantité de degrés, il n'a pas héritier. Et alors, votre propriété, soit pour vine pour l'État. Et là, il vient pour l'État, c'est curator qui step in pour l'y prendre. Et sa propriété, il vient un claimed. Ou soit, il existe une propriété qu'il a, qui, par exemple, les notifier ça à l'exercice, transfert dans la terre, qui t'y déjà là, en bas, Mortgage and Registration Act, pour mettre ça dans Land Registration Act, il y a la loi qui s'appelle la Adjudication of Titles Decree, quand dans la terre, qui personne n'a pas une claim, l'État t'y prend, t'y met le son nom, et présent, si il y en a aucun du monde qui vient qui a fait un claim, là présent, il vient, il claim. So il y a quelque chose qui il paraît ça bien vacant ça un claim property les causes du registrar general peut-être il y a un rule qui nous pas donne l'interprétation et expression bien mot dans la loi qui ça l'expression bien ça mot il déjà quand il définit dans interpretation and general causes act general provisions act. Interpretation and General Provisions Act, il y a la Bible pour un legislative drafter, il suppose qu'il y a la Bible pour un membre de l'Assemblée nationale, et vu qu'il y a déjà défini qui quoi un registrar general, c'est-à-dire un monde qui exerce fonction registrar of deeds, land registrar, et aussi il y en a une autre fonction que je n'ai pas imaginé là. Non, ça, il a donné en bas stamp. Oui, pareil, il aussi fait fonction stamp duty commissioner, il fait les autres fonctions, et pareil, comme curator et stamp duty commissioner, ça, il a appointé séparément en bas à la loi, et il y en a une délégation, une notice qui dit, lui qui peut faire exercer sa fonction. So, il n'a pas besoin de faire lui. Par contre, pareil, nous avons define conditional appointments authority, à cause pour le moment, nous n'avons pas défini. Dans IGPA, quoi qui interprétation qui conditional appointments authority. Merci, Monsieur Chairman. Merci, oui. Honorable Henri va continuer. Vitement, Mr. Chair, le fait qui est d'une mention de Mortgage and Registration Act, est-ce qu'il est dans nos passages là, il n'y a aucun conditional amendment qui besoin d'y faire dans l'avenir pour poser ça la loi? Merci. Non, nous ne prenons compte beaucoup quelque chose dans le Mortgage and Registration Act, mais seulement, en fait, nous faisons envoyer un petit message pour both registrar et, je crois, pour honorable leader of government business. In tout le temps, un issue avec Land Registration Act. Nous n'avons un issue côte, même si, pareil, leader of government business dit, même si l'intention Code civil 475 par créer exécutaire et créer fiduciaire, si pour tout bien un dimoun qui mort passe à travers un exécutaire,
nous tenons la loi qui s'appelle Land Registration Act, qui crée une provision qui s'appelle Affidavit on Transmission by Death, ça veut dire transmettre propriété un mort à son héritier. Ça, la loi, tu l'as peut-être gagné amendé, les notifiés Civil Code 75. Mais nous ne pas le faire, et il y a une provision qui gagne servi très souvent, et il vient un gros problème à cause de beaucoup de héritiers qui ont fait, ils ont cassé contour, ils ont pris ses mains courtes, ils ont transféré toute la terre aux autres, mais ils ont vide sa succession. Et si ou sa succession, il doit ou, il a besoin d'un fin l'autre procédure pour faire retourner ça bien. Sur ça, il y a une provision peut-être qui nous doit être fait un amendement. Sur la présent, pour nous dire, c'est un seul semain, tout propriété qui est un mort avec, si il y a la terre, il a besoin d'un exécuteur. Et là, sa exécuteur, il apprend sa bien immobilier, il a fait le nécessaire de son administration. Merci. Yes, honorable Henri, on va passer à l'autre point. Oui, honorable Bileki. Oui, c'est une clarification. Mais, nous avons installé en relation avec Civil Code, ben, l'action qui finit de commencer. Dans le contexte qui vous peut dire là, si dans ce contexte, il y a déjà un an un procédé pour faire une transmission par la mort, une transmission by death. Et le fait que vous pouvez dire présent là, dorénavant, il y a besoin d'un appartement exécuté avant qu'il y ait sa vesting en propriété. Avec bons héritiers. Est-ce que si ça a commencé, il tombe après qu'il nous assène ça la loi? Merci, Edji. Bon, non, à cause de sa provision pour rester là. Mais seulement moi, je vais commencer une consultation à un moment avec l'association et le Registrar General. Mais seulement, vu qu'il y a une attendance un petit peu l'eau, que nous pouvons dire que nous pas pour enregistrer any more ban affidavit par transmission. Pour une simple raison, à cause d'après Civil Code, il dit qu'il y a une inconsistency entre la loi qui a fait avant lui et Civil Code. C'est Civil Code, l'application Civil Code qui vous prévaut. Et vu que Land Registration Act qui a fait en 1968 et Civil Code qui a fait en 1975 à l'époque, then, c'était Civil Code, mais il façon qui meilleur nous n'implémente li. Mais là, il peut être un bon, nous arrivons à un crossroad, un parti ses mains, que peut-être nous doit être fait les clair, et si toi avec qui n'en a un curateur, là, qui peut dire avec supervision, travailler, exécuter. Parce que nous pas pour les situations, que nous avons des héritiers qui ont la compétition avec exécuteur. Les autres ont exécuté, ils ont fait transfert, les autres la terre, les autres allaient, les autres fait transfert, les autres la terre. So, et peut-être que ça tient un problème à cause d'un an, un exécuteur qui a pointé, qui a encore exécuté 20 ans après. Et ça veut dire que jamais la succession a wind-up. Et les héritiers, les autres grands-pères, les autres restés dans un état assez incertain. Et d'être pas payé, ou bien même si d'être payé, mais en main, qui sa succession lui-même, lui, il complété et propriété gagne transfert. Dans sa propriété, pareil, vice-président, il dit il y a l'eau, ça va nous héritier, dans notre affaire, les nécessaires. Merci. Vous avez besoin de l'eau, ça même point, quoi. Oui, mais monsieur Chair, mon service, c'est ça. Oui, en effet, ça y est, il y a un problème. Et le problème, c'est à cause, en bas, Land Registration Act, il dit qu'aucun des gens qui ont un intérêt est capable de faire un affidavit. Et le Code civil, il dit que c'est exécuteur seulement. Je crois que si nous faisons que c'est exécuteur qui a la seule raison, seul droit pour lui faire un affidavit of transmission by death, nous n'avons plus un problème. À ce moment-là, tout quelque chose va passer à travers même goulot et goulot exécuteur. Merci. Merci. Et Dieu, on n'a pas rien pour ajouter l'eau là-haut. Merci. À ce point, mon quoi, on a pris en pause et nous a continué après-midi. Nous retournons désert. Merci. All right.